Voilà, donc en fait, nous, ce qu'on vous conseille, c'est lorsque vous déployez une stratégie digital marketing, de vraiment utiliser au maximum l'ensemble des données à votre disposition pour améliorer l'expérience des clients et aussi l'efficacité de l'ensemble des actions marketing. La façon dont on envisage finalement cette opération, c'est une transformation qui s'appelle une transformation type precision marketing. Nous, on l'a fait reposer sur 5 piliers qui sont des piliers majeurs de cette transformation. Le premier pilier, c'est ce qu'on appelle l'expérience digitale, data-driven, qui consiste finalement à utiliser l'ensemble des données clients à disposition pour améliorer cette expérience. Le deuxième pilier, c'est finalement la data. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on a des données de qualité, que la gouvernance autour de ces données mise en place permet d'exploiter le plein potentiel de ces données. Le troisième pilier, ce sont les outils. Et finalement, est-ce qu'on a les bons outils pour exploiter à travers les différents silos de données qui sont constitués dans l'entreprise, faire circuler la donnée au maximum. Le quatrième pilier, c'est finalement le modèle opératoire. Comment est-ce que je m'assure que les personnes, mes collaborateurs, sont formés à l'usage de ces données au quotidien, que ce soit dans la connaissance des clients ou dans les opérations. Et enfin, le dernier pilier, sont des piliers d'infrastructure. Est-ce que j'ai finalement ce qu'on appelle un data lake qui regroupe toutes ces données et qui me permet de les exploiter? Si on a ces cinq piliers mis en place, on va être en mesure de déployer ce qu'on appelle une stratégie data-driven appliquée au marketing de façon très efficace.